Non mais... Attends... aussi verser ça, c'est des orbites géants. Hop. Et c'est parti. On va le répartir dans les autres boîtes aussi. Ouais. Tiens, tu as celle-là. On va en garder pour la troisième. Je pense qu'il en manque un peu sur la deuxième. Bon, vas-y, répartis comme tu veux. Oh, c'est trop heureux, ça rebondit. Day 2, Day 3, Day 4. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la chaîne YouTube, on a déjà fait un bain de slime et on a voulu recommencer une expérience comme celle-ci et aujourd'hui, on a décidé de faire un bain d'orbis. Youpi. Alors, on en a partout. Hein. Il faut savoir que là, on a 5 pots remplis d'orbis. Là, c'est des orbis géants. Des géants. Donc, il y en a 3 des pots. 1, 2, 3. Et des petits. Et donc, il y a 1 et 2. Et on a aussi des intermédiaires. Regardez, c'est trop chou. Du coup, on va d'abord verser les petits orbis et après on posera les gros par-dessus. Et du coup, ça va faire beau. J'ai trop hâte. Alors les filles, on commence. Là, on a la grosse caisse, on va la renverser directement. Ok, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1... celle-là. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Les grosses, les petites, elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Tu verses celui-là et moi je verse celui-là. Ok. Allez, j'en verse un peu de l'autre côté parce que. 1, 2, 3. Parce que je vais être
vous propose que pendant que vous vous enfilez vos combinaisons, moi je remplisse un petit peu avec de l'eau chaude. Ok. Celle-là c'est la mienne, elle est beaucoup plus petite. Celle-là c'est la mienne, elle est beaucoup plus grande. Et bah du coup moi après je vais mettre celui-ci, mais pendant ce temps je vais rajouter l'eau chaude et les filles vont profiter en première de ce bain d'orbise. Ok. Regardez, ils changent de couleur. Ils deviennent plus sombres. Je vais pas attendre plus de l'air. Les avoir en boîte comme ça dans, en souvenir de ce jour. Et on trie les petites. Voilà. Et puis les gros orbis qui sont cassés, on les met de côté pour faire de la déco. Lui, il est un peu... Il est cassé. Que de l'eau. Ouais.
Et Lina se fait un bain de pluie. C'est ça. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous! Leave a note.